Ah bah du coup, on va pouvoir commencer. Bonne existence à tout le monde. On va réussir à se contenter de 3 chapitres aujourd'hui. Normalement, il faut s'entraîner hein, en prévision de ceux qui seront plus longs. Donc aujourd'hui, ça va être un peu plus léger que les autres. On va voir que Justin ne gère pas si bien le stress que ça, surtout quand il voit que d'autres à côté peuvent compenser. On va assister au talent impressionnant de Léo niveau sang-froid. Et qu'un peu de légèreté, on va voir des nouvelles de Nico, qui reste Nico, imperturbable jusqu'au bout. Et savoir ce qu'on fait d'Alice, si on arrive à la gérer ou pas. On est même un peu plus calme, si on peut dire. Alors, quand ça sera ce diapo, pour ce chapitre, ça sera Justin. Et ici, ça sera Alice. Et de gagner du temps et faire un peu plus de fluidité. Je m'entraîne comme je peux. Nouveau chapitre, je ne sais plus. Je ne sais plus où on en est, mais c'est peu après. Normalement, si vous suivez, vous regardez le live d'avant et vous saurez où vous êtes, parce que j'avais précisé. Là, je me souviens plus, ça doit être Pâques ou un peu après. Je ne les ai pas tous en tête. Pouvoir commencer. Donc on rappelle, ils étaient chez Justin avec Léo et Lucas qui se sont décidés à aller l'aider face à Alice, à savoir quel était le pacte qu'ils avaient passé entre eux et s'ils pouvaient faire en sorte d'arrêter tout ça. Justin, arrête de se mettre dans la galère, si possible, même si c'est beaucoup, beaucoup trop lui demander. Dans ta face, ça te reprendra. J'aurais préféré que tu mettes autre chose, mais bon. Tu crois franchement que j'ai envie de t'embrasser maintenant ? Ok, du coup, on fait quoi d'elle ? Laisse-moi réfléchir. Un pacte, ça te dit ? Je sais pas, je suis vraiment déçue de tout ça et ça t'apprendra. Ok, Justin en mode défense de son nouveau pote, ça fait vraiment bizarre à voir. Ah, il va bien, c'est bon. Elle prit une mine abattue et se laissa glisser au sol. Je pensais vraiment y arriver, c'était un bon plan pourtant. F pas, j'ai pas réussi à détruire ce groupe, c'est pas une bouffonne comme toi qui arrivera. Trop d'amour entre vous. Attention, Justin, certaines relations commencent par de la haine. Fixa Lucas et serra les poings. Tourna sur lui-même en se prenant la tête, fonçant sur Alice, lui prit le cou, tenta de l'embrasser sur la joue, la repoussa et partit crier dehors. Bon, il gère pas tant si bien que ça finalement. Ouais, on dirait qu'il pète un câble, ça c'est marrant à voir. Alice sourit, se mordit les lèvres. J'ai réussi à rendre fou au moins un, c'est déjà ça. Elle rigola et se leva. Pour celui qui gère le mieux le stress d'habitude en plus. Ça c'est mal. Donc maintenant. Vas-y, je t'écoute, propose ton pacte. Justin revint vers eux. On va pas refaire un pacte avec elle. Quelqu'un qui sait tout de nous, ça dit comme pas possible et qui aime nous embêter. Il se retient de la frapper. Saleté de code. Anti-coup sur les filles, mais bon, bref. Passons. Sachant que j'ai besoin d'elle en plus. Et qu'elle te plaît, Justin. Elle me paie pas, j'évacue le stress et la rage comme je peux. Bon. Moi, je vais appeler Jake. J'ai des idées pour sortir Pépito des pastèques, des céréales. Il a vu Paella, donc. J'espère qu'ils auront un plan. Quoi ? Ah, tu vois, elle sait pas tout, elle sait pas nos codes. Faut bien qu'elle serve, finalement. Il tient sur la table, allongea, puis monta sur elle en lui tenant la tête. Je te tiens, tu m'échapperas plus. Ouais, bonne idée, Benjamin. Mais il faut voir avec Jean. Elle parle de son mensonge sur son problème aussi. Donc ça te tente, oui ou non ? Je peux plus vraiment... Justin rigola, il lui mordit le cou, il descendit de la table, tira une chaise qui traîna en face d'elle. S'assied, il la fixa avec une inspiration très rapide. Il se redressa en se pressant le cou, fixa Justin en rigolant, puis dirigea son regard vers Léo. Quel genre de pacte ? Disons juste un échange. Plusieurs échanges en réalité. Je t'écoute. Finis en arrière sur la table, le dos bien droit et la tête haute. Déjà, tu nous lâches. Quelque temps au moins, donc ça signifie que tu menaces plus Benjamin, que tu ne dénonces personne d'autre de la meute à la police, que tu ne t'approches sous aucun prétexte de génie, tu ne racontes rien sur nous.
Ok, et en échange de tout ça, tu racontes en détail les moments de ma vie qui m'ont traumatisé. T'auras ta dose de sadisme. On n'aura plus de raison de t'étriper sauvagement, ouais. Te balancer un peu d'acide pour te faire fondre la poule lentement. Tu vois que t'agonises bien longtemps. Je vais m'exciter, toi. Donc, ça te convient? Ça me va pour l'instant. Et ensuite, on ne te fait pas payer ce que tu nous as déjà fait, mais tu détruis mentalement la saleté qui a violé Clément. Ça me tente. Avec plaisir. Non, mais il se leva. On va pas. Enfin, tu. Il a fixé avec rage et serrant les poings. Mais tu vas pas la laisser s'enterrer comme ça après. Benjamin a eu la peur de sa vie. J'ai fini en taule. Jenny a fait une crise cardiaque à cause de sa super crise, à cause d'elle et de. Attrapa et secoua son ami. Suga a failli rester, Jack, je l'ai trahi, et puis. Pouf. Oh, calme-toi. J'ai eu Jack Hotel et. Il a un bon plan, enfin un bon début en tout cas. Et bah, là, doit y travailler encore un moment pour perfectionner. Que ça soit vraiment, vraiment parfait. Qu'on a plusieurs jours avant de sortir Pépite Poteau de là, tu sais. Gerson, ne t'en fais pas. Il est expert. S'en est déjà sorti d'ailleurs. Hein. À voir, on verra bien. On a le temps, quoi. Ça commence à se préparer, ça me soulage. On peut souffler un petit coup avant, se remettre en forme. On prépare sur tous les plans et on attaquera. L'ordre pour l'instant, c'est de s'apaiser. Mais comment il s'est battu avec son. Enfin, pas là. Mais si le plan réussit, ce sera son père. Et donc, il ne t'en veut pas du tout, il ne t'en veut absolument pas. Et. Même soulagé d'avoir pu dire tout ce qu'il pensait, ressentait, d'avoir pu s'expliquer, que tout ça sorte. La situation peut s'arranger grâce à ça. Justin lâcha les hauts de soulagement. Sauta de la table, attrapa Alice et la secoua à son tour. Tiens, dans tes dents, il souffre plus, tu l'as même aidé, irrégulier. J'ai juste sauvé leur relation au final. La lâcha de dégoût est partie dans sa chambre. Je vois. Donc, nous disions, ça te va? Descendit de la table. Oui, un peu déçu, mais oui. Je me rattraperai plus tard. Mon instinct me dit que leur relation ne s'arrangera jamais entièrement. Elle se tourna vers eux et sourit. On se rapprochait pour mieux se séparer, et ainsi j'ai que souffrira plus. Encore plus que prévu. Comment ça? Vous verrez, rien n'arrive sans raison. Je dis juste que, imaginez, enfin, John les sauve et gagne l'amour et la confiance de son fils, mais juste pour les trahir encore mieux au final, en, bah, je sais pas, en révélant qu'il est un des complices d'Asmer, ou en tuant l'un d'entre vous, en attaquant Ginny, je sais pas. Ça dévasterait votre leader, non? Enfin, moi, je dis ça comme ça. Hein. Elle rigola et monta dans la chambre de Justin. Elle est vraiment charmée, celle-là. Hein. Bon courage à lui. On la lui laisse? J'en veux pas, mon perso. Il va gérer, t'en fais pas. C'est de réguler pour dissimuler la peur qu'avaient répandu les paroles d'Alice, priant pour qu'elle ait tort. Et quand je promets que ça peut être un peu calme. Donc là, ils vont tous, enfin tous. Il y a Jake, Jenny, Lucas, Jean, William, Lou, qui vont à la salle de sport pour essayer d'entraîner les filles, d'évacuer, de voir comment ils pourraient potentiellement aider Jean, et de se rassurer mutuellement pour le sort de Nicolas, qui est censé être séquestré chez l'ennemi. Mets-y un peu plus de force, chaton, sinon ça servira vraiment à rien. J'essaye vraiment là. Ah bon sang, elle a aucune force, la gonzesse. Il se plaça derrière elle, lui prit les bras et lui montra avec sa force à lui comment utiliser la machine d'entraînement. Oh, mal! Il n'y a même plus de phrases à ce stade, c'est fascinant. Lâche-la, allez. Dès que le remplaça, il alla plus doucement et expliqua calmement à Ginny. Bon, à ton tour, Lou. Non, moi ça va, je gère, hein. Et date, on n'a même pas fait le quart. Non, mais nous, on n'a pas vos muscles, hein, lâche-moi un peu. Pas aussi développés, mais vous les avez, lui chuchota. C'est ce qu'on fait, tu sais bien. Elle riait et eut un point de côté. Tu gères, toi, William, en tout cas. Et pour s'entraîner, pour sauver Nicolas, donc oui, je suis motivée. Ça fait presque peur à voir, avec tous les muscles qui ressortent, là. Je suis presque complexée, c'est dur à faire avec moi. Non, t'inquiète. T'as pas trop regardé, car Nicolas est très jaloux quand il s'y met. Et même quand il n'est pas là, je reste fidèle, mais. Le peu que j'ai entrevu, t'as pas à complexer, tu sais. Il se tourna vers son petit ami, le caressa et l'embrassa. Oui, complexe pas. Ah, change pas de sujet, toi. Hein. Il en retourna, il a fait s'entraîner à nouveau. Oh, quel bourrin, mais un peu de douceur. William, tu sais, on va le sortir de là, ça va prendre du temps.
On tient bien à se préparer, mais comment te dire ça? Je sais, je participerai pas. Mais au moins mentalement, je m'entraîne comme si, au moins pour donner l'impression que je pourrais l'aider à ma façon. Ça m'occupe l'esprit. Je dis pas qu'il doit être en train de se faire torturer, au moins pendant ce temps. Oh, tu sais, le connaissant, je pense que c'est plutôt qui morfle, hein, tu sais. S'il n'est pas déjà sorti d'ailleurs, au moins tu seras tout beau pour son tour. Ouais, au pire. Oh, au secours, j'en peux déjà plus. Ça fait que 20 minutes. C'est long, enfin c'est dur, enfin difficile et. C'est perverse quand tu t'y mets. C'est pour éviter ce genre de blague que je faisais ça. J'ai bien vu me mater à travers la fente du vestiaire. Oh, ça m'étonnerait, c'était pas moi. J'étais avec Lou déjà donc. Bah voyons, toujours des excuses. Avec les seins, un baiser tombé sur le coup de génie, ça m'a sur sa cuisse. C'est bon, on sait, mec, relax. Déjà, j'ai Lou. Ensuite, pour moi, cette morphale est une sorte de. Gouffre et. C'est un peu comme une sœur, tu vois. Tu sais, je faisais ça car j'en avais trop envie. Et un mec l'a regardé un peu trop à mon goût aussi. Il lançait un regard noir tout en serrant Jenny contre. Avec l'idée de venir l'exposer aussi. Tenue moulante de sport, ça aide pas. Hein. C'est plus confortable, on s'en fiche, laisse-le. C'est bon, il a compris Zard. M'étonne, vu le regard que tu lui as lancé. 21, 22, 23, 24. On sérieusement tes pompes là, t'es rapide. Même Lucas va pas aussi vite. Je le prends un peu mal, mais bon. Là, c'est surtout qu'on dirait que t'es moins musclé que lui de base, donc. C'est le stress qui s'évacue. Je suis super fraise, sinon d'habitude. C'est pour ça que Nico t'adore. Il paraît costaud à côté de toi. C'est vrai. Rigolais, je change d'exercice. Bon, et toi, Jean, t'arrives à peu près à évacuer 34, 35, 36, 37, 38, 39. Je vois. Tu dis que quoi que tu fasses, ça ne change rien. Ferme à les yeux. Quand je serai toujours près de toi, essaie de compter à plus fort. Tu s'ouvriras de plus en plus, il accéléra l'exercice. Jenny se tourna paniquée vers Jake, qui lui fit comprendre qu'il avait effectivement menti, il la serra contre lui. Ou fit mine de ne pas avoir saisi pour le laisser et éviter de stresser encore plus. Jenny se blottit dans les bras de Jake et chuchota. Comment on va l'aider? Une idée, ma belle. Nous sommes les seuls au courant, mais Eva est dans le mensonge. Il va protéger, je pense. Je peux pas aller contre son choix, Lucas lui a parlé hier. Il va réfléchir pour voir un spécialiste, mais. Commence à perdre pied et essayer de s'en sortir comme il peut un peu un jour. J'espère qu'il va pas perdre espoir. Peut juste se soutenir et lui changer les idées comme on peut pour l'instant. Il se retint de pleurer et laissa caresser les mots doux de Jake l'apaiser. Elle rouvrit les yeux, elle resta figée. Il lui demanda ce qu'elle avait, elle se leva et avança à toute vitesse vers un homme allongé, une machine d'exercice. Non mais c'est pas vrai, je rêve là! Les autres la rejoignirent, William pleura de soulagement. Jean rit nerveusement avec Lou, Lucas retint de crier et Jake de le taper. Et vient Nicolas, en train de faire une sieste. Franchement, on peut le tuer là, on est d'accord. Oh, mais quel abruti, j'en peux plus de lui. Même pas un texto, il abuse, hein. Bon, le réveil comme il se doit. Plus il se permet le luxe de dormir au calme. Ils se regardèrent et crièrent tout son nom en même temps. Mais il ne réagit pas. Il est devenu sourd, ils l'ont torturé à ce point. L'entraîneur approcha, il leur demanda ce qu'ils connaissaient et leur expliqua qu'il avait débarqué ce matin dans une des salles, dans un état très étrange et que personne n'avait osé lui demander ce qu'il avait. Il s'était entraîné pendant 3 heures environ, puis qu'il s'était effondré sur la machine. Le coach avait les laissé se reposer par peur du provoquer un malaise. Jean prit son pouls et dit aux autres de l'aider à le porter à la voiture pour le ramener d'urgence à la base, pour essayer de l'apaiser, très irrégulier et s'affaiblissant. Classique, j'ai envie de dire. Et le dernier pour aujourd'hui, ce sera Justin et Alice, qui tentent de trouver un équilibre entre dérangés, dirons-nous. Justin se tourna dans son lit et sentit un souffle sur son visage. Mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu fabriques là, toi? Énergique dès le matin, dis donc. Il recula, il la poussa avec le pied. Casse-toi, charmant. Bouge de là, sérieux. Trop d'amour. Il laissa tomber de tout son poids sur le dos de désespoir. Elle grimpa sur lui et passa sur son à sa le crâne, passa les mains le long de son corps et il lui tira les cheveux. Dégage de chez moi. Il la repoussa et se tourna, elle se mit sur son dos et le massa. T'es sourde ou vraiment attardée? Releva le haut de Justin et lui embrassa le haut des fesses. Oh, sérieusement, tu me saoules.
Se redressant d'un coup, l'assaut m'empresse. La porta, descendit, ouvrit la porte d'entrée et la lança dehors. Il referma derrière lui et alla manger. Je pourrais pourrir celle qui a fait pleurer ton amie, tu sais. Laquelle, toi ? Non, Émilie. Finit lentement sa bouchée, réfléchit et ouvrit la porte. Elle essaya d'entrer, mais il lui bloqua fermement le passage. Comment ? Avec plein de larmes, de cris de souffrance ? À quoi déjà en échange ? Non, attends. Oublie tout ce que t'as promis à Léo, ok ? Tu nous laisses tranquilles, tous, et tu détruis Émilie. Sans rien en retour, tu dérailles. Il trappa la taille et la plaqua contre le mur. L'embrassa sauvagement tout en reculant. Plaqua la porte derrière elle. Souleva et la mit sur ses jambes autour de son bassin. Ça, par exemple, ça t'irait en retour ? Si je te frustre en te disant d'imaginer Jenny à ma place et en te rappelant que tu ne pourras jamais lui faire ça, peut-être que ça m'irait. Le sentit se crisper et avaler une douleur. Elle sourit et lui caressa le torse, sentant le cœur se serrer à chaque baiser qu'elle lui donna. Je sais que t'es vraiment horrible. En général, pour draguer une fille, on dit l'inverse. Du genre, Jenny, t'es vraiment sublime ? Je le savais, tu l'aimes encore. Non, enfin... C'est pas comme tu crois. C'est pas un amour pur. Moi aussi, prêt à tout pour elle sans même rien avoir en retour. Appelle ça comment ? C'est sur le canapé, il se plaça sur elle. Et à son haut, il lui dit de même. Garde-toi, t'es pitoyable. Je sais, écrase. Embrassa et passa sa main dans sa queue. Tu dois vraiment aimer être avec Jake. Hein. Moi, je ressens quasiment rien. Quel dommage. Elle a fait le bon choix. Il plaqua la tête sur le côté et lui mordit le cou pour cacher ses quelques larmes impossibles à retenir. Je voulais tenir ma promesse, moi. Ne plus m'en prendre à vous, mais... Ce n'est pas des leurs, en soi. Et une proie si facile. T'as fini, oui. Elle lui retira son pantalon et se frotta à lui. Ou tu as menti à ton nouvel ami, à la femme de ta vie, en disant que tu la laisserais. Tu n'avais plus de sentiments pour elle. C'est bon. Je sais qu'elle est âgée. Je n'aurais pas menti, je tenterai plus rien. Je t'utilise juste pour effacer définitivement ma frustration. Alors oui, je vais m'imaginer que tu es elle. Non, ça se fait pas forcément. Mais t'es juste horrible et ça me permettra de pouvoir rester avec eux sans souci. Déshabillé entièrement, il fit de même. Donc, essaye d'être intéressant, j'y crois. Là, jusqu'au bout, il mit toute sa frustration, sa haine, sa peine et ses sentiments dans chacun des gestes et des mouvements, l'espoir de les faire sortir de lui. Alice n'arrêtait pas de lui lancer des piques, de provoquer, de l'agresser d'accusations tout au long de l'acte, jusqu'à ce que sa haine soit au maximum et qu'il lui donne un dernier coup et qu'il la fait crier. Eh ben, tu vois, quand tu veux. Ils se séparèrent. Si tu avais eu la même détermination plus jeune, Jenny n'aurait peut-être pas eu son traumatisme. Tu n'aurais pas la laisser la distance vous séparer. Elle serait encore avec toi et... Bien essayé, mais j'ai réussi. Il sourit, il sera bien. T'as effacé ta frustration ? Non, j'en garde un peu pour les autres ennemis. Tu crois pas la seule au monde. Elle était jusqu'à coucher avec moi après tout ce que j'avais fait pour... Il l'embrassa pour se faire taire. Elle remit ses vêtements et partit en riant. Je crois pas avoir gagné cette manche. Oui, j'ai beaucoup souffert. Oui, ça m'a torturé, mais j'ai atteint mon objectif. Pas celui que tu crois. Je révèle pas mes plans à l'ennemi, moi. Je lui livre juste des leurs. Mon but était de te voir nu. J'avais bien aperçu l'autre jour ces cicatrices. Je les reconnais. Je sais qui t'es vraiment. J'ai donc une longueur d'avance sur toi. Désolée, ma chère. Petit extrait de La complexité de Justin. Jusqu'au bout, il fait des dingueries. On le croit. Mais ça n'a rien à voir. Mais là, pour avoir des explications, il va falloir être très patient, parce que c'est des coups qui prévoient vraiment longtemps à l'avance, qui sont liés à plusieurs secrets, qui tient à garder. Mais voilà, ils ont réussi à amadouer pour l'instant Alice, à gagner des points avec elle, si on peut dire. Et on leur souhaite que ça continue dans ce sens-là, parce que le final se rapproche, doucement. Hein, il y a encore... Encore de la marge. Mais je crois... Oui, ça y est, on est passé à moins de 100 pages. Il nous en reste à peu près 70. À la vitesse où ça va. Dans 3 ou 4 sessions, ça devrait être la fin du tome 1. Je vous laisse encore à vos avis tout ce que cache John. Pourquoi Justin agit ainsi ? Qu'est-ce qu'il cache réellement au fond de lui ? Et...
Est-ce que vous avez des pistes pour Alice? D'où elle sort et pourquoi elle a un si grand pet au casque, on va dire? Mais bon, je vous remercie pour ce visionnage. N'hésitez pas vraiment à aimer, à commenter, à partager. Pour la rediff, je vous souhaite bonne continuation et à très vite.